Hop, et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de FF7 Rebirth. On va partir chercher Temple des Anciens, bien sûr, avec Sid. On y va, Tiny Bunker. Ça aurait pu faire une cinématique par contre. Je veux pas que ça foute que neuf. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous entrons maintenant en eau maritime. Préparez-vous au tangage causé par les vagues. Et je le fais bien, hein? Oh non, pitié! Pas ça! Par contre, c'est un hydravion, pas un paquebot. Il n'est pas du tout fait pour aller en haute mer. Alors, on s'éloignera pas des coups. Putain, là, je pense. Il va te faire foutre, vraiment. Ouais, je m'en bats les couilles. Bon, c'est ce qu'il faut comme matériel. Bon, si je rends difficile, je l'aurais pris, mais... Allez. Allez, to the north! Stylé le ciel là. Vous auriez pu faire ça moins loin quand même, ces petits bâtards. J'espère qu'on puisse se TP. Oh, c'est l'écho de la chinoise. On arrive avant eux? Non, rocher! Putain, rocher, je l'aimais bien en vrai. Ça sera mettre droit et ça va faire un petit tour. On est vraiment au bon endroit. On va voir. Quelle est code celle-là? Il y a un trou avec les mêmes trucs que la pierre. Bien sûr qu'on est au bon endroit. Ah non, ça rentre dans le sol. Oui, effectivement. Comme ça. Non. Ah ouais! On dirait
autant dans Zelda là. Dans Breath of the Wild et dans. Ah non, même pas, ah non, pas du tout en fait. Pas du tout. Ah, j'ai tout le truc. Regardez, c'est incroyable. Ouais, on voit. Vous êtes prêts? Debout, matelot! Ici la grand voile! On n'a pas de voile, c'est un avion! Et on n'est pas des matelots non plus, je te signale! C'est pour l'ambiance, jeune fille! Bon, allez, préparez-vous au tangage et souquez ferme! Oui, capitaine! Mais capitaine, watch out! On est ici! Allez! Et là-bas! Je me demande. Mignon. Et voilà. Oui oui, descend, descend, descend. Bien sûr qu'on descend. Je sens comme une tension dans l'air. Je crois que j'ai un peu surmené l'appareil. Je vais faire quelques réparations. En même temps, je pense que c'est pas fait pour. Hein. T'es sûr que ça va aller? Je suis le grand Sidai Wind. Ok, qu'est-ce qu'il a acheté lui? C'est tout? Oh bâtard. En même temps, on n'est pas trop un boss. Enfin, je pense pas. Ils auraient mis que de Phoenix et Ether comme d'hab. Bon, qui est-ce qu'on va bien pouvoir combattre? On peut combattre Tseng et le roux là, je sais pas comment il s'appelle. On combat encore je sais plus comment il s'appelle là. Merde, comment il s'appelle le chou? Et Elena. C'est mon crâne. On s'est combattu deux fois. On compte toutes les fois où on a combattu l'autre dans le premier. Oh putain. Il doit faire au moins 4 ou 5. Hein. Impressionnant. Il vaut mieux dire les Cétras. Oh. 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 Okay. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu fais des citations, Barrette. Non, c'est pas ça. Bah oui. Ce n'est pas la terre promise. En fait, ce qu'il y a ici, c'est de la peine. Non. Oh non. Et aussi de la colère. De la colère. Wow. Et ça, c'est quoi? Épée. Il t'appelle. Allô. Allô. Aris. Allô. C'est Aris le même caractère, je vais rien savoir. Hein. Claude. Hein. C'est Aris le même caractère.
dis ça, mais si, si elle se fait vraiment buter comme le dit Marlène, je vais avoir très tort. Laurel se ment. Parce que pour moi, c'est le même caractère. C'est juste l'épée. Alors les bouffons. Alors. Alors ils sont sensibles à quoi? Au feu. Feu. Les gens sont sensibles à quoi, j'ai l'impression. Ils sont en train de te dire. Sprir. Sprir. Mais ouais, je suis arrivé de... Attends, mais ils arrivent vraiment par centaines là? Ah ouais. Mais ils sont pas boules, hein. Tifa. Comment tu sais le dos? Quoi? Mais comment? Mais des fois, elle traverse toute la map avec ça, elle avait rien fait. La triche. Super coup de pain. On a beaucoup trop là. C'est pas toi celui de moi d'ailleurs. Il est loin quand même. Il est peut-être un peu loin quand même. Il était un peu loin. Bon, c'est bon, l'autre était dedans. Bon, cette fois, tu veux mettre dedans s'il te plaît. Voilà. Talon. Oh, où est-ce que je dois aller maintenant? Au centre, hein. On va essayer d'aller au centre. Oh non. Ah si je peux peut-être. Oh non, c'est quoi c'est... Des dragons. Il y a des dragons, non? C'est l'œuvre de créatures. Pourquoi c'est plus encore là, le vieillard? Dis à Iris, t'es une ancienne et on est tes compagnons. On a un traitement de faveur, pas vrai? Bah, je pense qu'il y a personne qui a un traitement de faveur. Je pense que même elle, hein. On n'aura pas, hein. Je vois. Bah oui. Après tout, je ne suis qu'à moitié Cetra. Eh oui. Personne n'a traitement de faveur. Et hop, chut. Apparemment, pas de traitement de faveur. Je suis désolée. Oh. Vous avez suivi jusqu'ici, mais à vrai dire, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Je vais rester dehors. Bon, j'espère bien. Pas de problème. Et en tout cas, merci pour tout. On n'y serait pas arrivé sans toi. Attends, bon, on aura trouvé un moyen, je pense. Attends-nous quand même à ton bateau, ce serait peut-être plus... Ce serait peut-être mieux quand même. Et lui là? Il nous attend lui? Putain mais... C'est le mec le plus stylé de la bande? Et pourquoi on combat pas avec lui? Merde! Chier! Ça aurait été trop bien! Eh
Ah bah let's go. Allez hop, ils vont être pris pour cible. Ah. Boum. L'ancienne est entrée dans le temple. Ce qui veut dire qu'il doit lui aussi se trouver là-bas. Sephiroth. Il parle de Sephiroth, je pense. Bon alors qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Tu vois père, je l'ai fait. Bah, il t'entend pas. Spoiler, il t'entend pas. Il va retourner à la terre. Ah peut-être que si. Enfin, avec l'explication du truc. Peut-être qu'il t'entend. Non Rocher. Putain. T'es un frère jusqu'au bout, hein, mon petit Rocher. Ça fut un plaisir de te combattre toutes ces fois. C'est le seul qui m'a pas cassé les couilles. C'est le seul où j'étais content de le combattre à chaque fois. En plus, bon, pas ses combats ils changeaient souvent un petit peu. C'est le seul où ses combats changeaient. Quand tu regardes Rufus, entre le premier là, bah, c'est exactement le même combat. Le Boug, le chauve, pareil. Mon Shitsang, j'ai pas encore combattu. Oui. Ah, par derrière. Bon. Je peux pas être derrière. Hop là. J'ai potion. Je suis derrière quand même. Potion. J'aurais peut-être dû mettre une petite magie auto sur le soin à Hérisson. Ouais. Il y a potion. Oh bah tu régales. Ouais, s'il vous plaît. Oh, stylé! Oh, j'aurais kiffé que ce soit juste là. En plus, c'est un labyrinthe. Oh non! Ça va être long. Ça va être long. Si je comprends bien, c'est pour cacher la matéria noire que tout ça a été construit. Alors, ça veut dire qu'elle doit valoir une vraie fortune! Chut! Évitons de parler de la matéria noire, d'accord? La Shinra ne doit pas savoir qu'elle existe. Comment tu crois qu'ils ne savent pas? Peu importe qu'ils le sachent ou pas. On doit la trouver avant eux. Très naïve, Eris. Hein. Regardez, c'est quoi ce bordel? Non. Faut croire qu'il n'y a plus de logique ici. Mieux vaut s'attendre à tout. Le vélo. Faut plus rien. Oh le sol est catastrophique. Pourquoi ils ont fait un gros plan sur le sol, il était moche. Comment il s'appelle le rouge, je sais plus. On dirait que plutôt que la terre promise, c'est la mort promise. Te mets pas ces idées dans la tête. Ah c'est rude. Tu parles, facile à dire. Commandant, l'ancienne et les membres d'Avalanche sont ici. Si on leur tend un piège, ils ont aucune chance. Non, priorité à la mission. Oh. Séparons-nous en deux et continuons l'investigation. Vérifions qu'il s'agit bien de la Terre promise. Oui, puis que je retombe pas sur Elena et Rudo. Ah, c'est Reno. Ah oui, c'est vrai, okay. Je l'appelais Reno au début de le show. Pour ça. Reno. Hein? Reno, il a un faux de zinzin, lui aussi. Priorité à la mission. Compris? À vos ordres. Non, mais ça veut dire qu'on va combattre un des deux encore. T'en supplie, sépare. Séparez-les. J'en peux plus de Rude. Non seulement ce temple est un casse-tête, mais en plus il y a la Shinra et une tonne de manteaux noirs. Je vous le dis, on risque pas de s'ennuyer. Sephiroth aussi doit être dans le coin. Sephiroth. J'en
petite porte. Surtout pas laisser cet endroit utiliser nos émotions contre nous. D'accord. Oh non, voilà une grenouille de merde. Oh non, ça aussi ça transforme en grenouille. Voilà. Wesh. Un TP ? Autre TP, je pense. Hein. Beaucoup de sang a coulé. Il y a très longtemps, une guerre a eu lieu dans cet endroit, je crois. Ah bon ? Je peux éviter de les combattre. Hop là. Ça va le faire ? Ouais, c'est cool. D'après une légende, personne n'est jamais ressorti d'ici vivant. C'est ce que racontait le chat. Et c'est maintenant que tu nous dis ça ? Bah... Elle était pas là ? C'est mensonge, t'inquiète pas. Oh, brisk round. Des gens qui donnaient leur avis sur Rufus, le combat de Rufus, ils disaient oui, c'est simple, faut que tu sais qui vive. Sauf que. La compétence elle arrive que là quoi. Alors, bon, mon Dieu. Bisous les bouffons.
plus importante à faire. Si, c'est un TP quoi. Vers où je dois aller là? Vers où je dois aller? On va aller pencher. Pas pour échapper, je pense là. Oh, quoique. Si. On s'y est ce petit coffre là. Putain, mais donnez-moi des trucs mieux que ça, bordel! Petite potion, on est où là? On est au chapitre 9 ou quoi? Pam 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 pam. Pas les trucs pour Barrette, pas Barrette, Red, Naki. Oh, s'il te plaît, dépêche-toi. Ouais, c'est haut. Différemment, je trouve. Direct. Faut surtout pas les laisser passer. Merde. J'ai oublié ce que je voulais. Voilà. Je vais refouter si tu veux.
quoi le cube? C'est pour les... le truc? Escalade? Hop. Dis-toi bien que c'est le seul moyen de rejoindre les autres. Dépêche-toi de sauter. Je vais sauter, mais donnez-moi encore un moment. Bon, on a compris qu'on va sauter dedans. Voilà, c'est pas les méga potions, j'ai une méga potion, maxi potion demi. Il est. Ça. Oh merde. Il y a encore un coffre. J'aurais bien un coffre avec des trucs plus petits, s'il vous plaît. Pas mal. Ou des trucs pour opter des armes, peut-être. Pour en donner plein ici, pour une émission, ce serait pas mal. Du coup, d'avoir à se farcir 10 heures de farm dans les. Dans les zones ouvertes. Qu'est-ce que c'est que ça? Nord. Voilà, je vais topaz. C'est moi ou ça a changé? Attends, ça a changé là. C'est mieux. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? On va regarder ce qu'il y a là-bas. Puf. Il n'y a rien dedans à chaque fois. C'est... La moule. Wesh. Ah, c'est un. Merde. Un rocher. Hop, hop, hop. Ça suffit. Oh les bâtards. Extra feu.
Quel bâtard. Pas foudre. Extra foudre. C'est juste pour le matériel, non. Un truc avec ça en fonction de non bah j'espère que je peux faire quelque chose là. Ça se pense une dinguerie ça. Je pense qu'on aura une petite dinguerie là de la part de. Ah, enfin, on arrive là. Normalement, on va affronter tout ça là. On attend ici.
Hop. Tout ça me dit rien qui vaille. Ouais, je suis dans le cœur, le bâtard. Attaquer les piliers fondus et faire tomber le dragon rouge ou briser une de ses ailes pendant qu'il vole. Ok, Santos. Ok. À toi de jouer. C'est un lag de fou là, non? C'est moi. Poser sa tête. Poser sa tête, hein. Non, j'étais en train de faire une attaque. Je vais aller péter un billet, ok.
Atlas. Pas extra glace avec elle, pas le même serveur de soins. On va péter les piliers là. Ils disent attaquer les piliers, mais je peux pas. Je suis con. Ah, là, je peux pas. Là, je peux pas. Là, je peux. Mais c'est nul ça. C'est chiqui nul. Bah, écoute. Je vais faire un triple extra glace, hein. Il a pas un méga glace ? Y'a personne qui a un méga glace là-dedans. Moi je vais faire un invoke de Alexandre. Hein. Dans ta gueule. Avec ça, ça ne meurt pas. Maris, on va nous faire un petit truc. Passe, ça dégage. Transcendance pour terminer. T'es mort. Et voilà.
stylé. De la vie. Elle est fâchée. Maman. Je n'en suis pas sûre, mais je le sens. Aerys, tu crois que tu pourrais lui faire comprendre qu'on est de son côté? Je sais pas trop. Attends. Je vais essayer. J'ai compris. Enfin, je crois. Oui. T'as compris. Qu'est-ce que t'as compris? Ah ouais, c'est bien. Son bâton. C'est la matière noire. Personne ne doit la voir. Ok, alors, ok. Et les autres? Ils vont se faire foutre. Aerys est avec eux. Ouais. Tout ira bien. Ah bâtard.
Oh, j'ai cru que je aussi fais le. Lui péter sa garde. Non, mais qu'ils aillent se faire foutre avec leur bouclier de con là. Changer d'arme, équipement. Bata. J'ai oublié que j'avais un truc en plus. Analyse, feu, vent, fond de glace. Ah bah enfin, putain. Bon, je peux lui enlever analyse apparaître, hein. Là. Mettre une carte précise renforcée. Charge d'énergie, ça peut être pas mal. Patatata, voilà. Sa gueule, lui, putain. Oh, bon, on s'en fout là. Tranquille. Oh, une paire de Jagdprier. Jagdprier. Ah. Le cristal. Bien ce truc. Masterclass. Il va augmenter, il va renforcer, précision renforcée. Soin, compétence d'arme auto. Ah, le ciel a une compétence en moto. Par contre, c'est une technique secrète. Ah, c'est pas mal. Voilà. C'est ça que je pourrais faire. Je vais lui mettre une magie auto ici. Hop, comme ça, elle me soigne. Voilà, parfait. Ils nous font chier, il y avait un escalier, frère.
Je les ai baisés. Oh non, je dois retraîner les cubes là, dans tous ces trucs à la con, c'est ça que t'es en train de me dire? Va te faire foutre. Mon chier là, avec leur truc de con là. Putain, qu'est-ce qu'on a à branler de ça? Jamais je fais ce genre de truc. Let's go la chatte. Allez, dépêche-toi là. Et wesh, j'ai même pas le temps de faire le truc. Je vais te faire foutre, laisse-moi tester mon attaque, fils de pute. Ok, ok. On va où du coup? C'est pas ça. Ça marche quand t'as des déplacements fluides. Là, tes déplacements ils sont tout hachés. Y'a rien. Ça marche quand tu dois te dépêcher. Hey, oh, arrêtez de bavarder, dépêchez-vous. Oui, chef, on y est presque. Ça y est, c'est bon. Intrus repéré. Ils sont d'avalanche. J'ai des soldats habillés. Terminé parce qu'il a gardé son truc de soldat, ce bouffon là. Dans l'air, bouffon, bouffon, je suis sur l'autre. On va par contre ce qui va se passer. Je prends pas de dégâts si tu as pute. Bien sens.
faire chier longtemps lui, c'est moi qui te le dis. Dégage. Ne me tue pas, je t'en supplie. Ne t'inquiète pas, tu vas retourner à la planète. Hop hop hop. Ah oh bah wesh, elle a même pas arrêté, tu vois. Hop hop hop. Qui passe au. Enfin. Hop. Et les autres? Je n'ai pas réussi. C'était la première fois. Alors c'est pas étonnant. C'est plutôt pas étonnant. L'effort est humaine. Il suffit de t'entraîner. On va faire ce qu'on peut pour t'aider. Allez. Courage. Oui, c'est vrai. Je vais m'exercer. Pas un meilleur collègue que ça, lui ? Ah ! Je vais pas lui mettre lui. PV renforcé, PV renforcé. Bah là déjà, PV renforcé. On va mettre. Carte précise renforcée. Et garde renforcée. Vol. Feu. Unité élémentaire. Unité élémentaire, j'aurais peut-être dû mettre sur quelqu'un d'autre. Hein. Après, j'ai un risque pour tout ce qui est feu, tout ça. Par contre, soin. Elle a pas de soin, elle a plus de soin. Soin comme ça. Hein. Je pense qu'ils sont pas les couilles. Ça pourrait devenir une soigneuse. Imagine toi. Hein. Magie auto. Attends, auto dans le jeu, c'est.
fait, c'est con d'avoir aussi peu de possibilités de build. Genre, vraiment, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. J'ai plein de matériel, j'ai qu'une fois aussi. C'est une... Qu'est-ce que je peux lui mettre? Carte précise, avantage de choc, inversion PVP. Je comprendrai jamais à quoi ça peut servir. Ça, je peux comprendre. Force magie. Ça n'a pas marché. Bah. Ma gueule là. Force magie bouffon. Ça marche pas. Je vais mettre une matéria de... À la feu, on va lui mettre un... Bah, j'ai plus de glace. En foudre, hein. C'est tellement long de mettre les matériaux niveau max, putain, ça casse les couilles, hein. 50 heures de jeu, frère. Il y en a, j'ai depuis le début, elles sont même pas max. Ah, dommage. Et le ruine vent, ça aurait été pas mal. Bien sûr, bah, je peux y mettre Chocobo et Mog vu qu'elle est partie. L'autre enculé, là. L'autre petit bâtard. On s'en fout, il sera pas animé. PM, ça peut servir. Il a glace, soin, foudre, feu. Bon, on va déjà aller tout lui. Petit PM augmenté et... Mais il a pas PV augmenté lui. Ok, PV augmenté. Hop, parfait. Aeris. Petit PV max. Pas souvent tempête foireuse, c'est un peu plus. Voilà. Faut se casser maintenant. Tout m'est pendu, hein. Faudrait peut-être que je les ai pas tous. Elle me montre comment m'accorder avec la rivière de la vie. Du moins, c'est ce que je pense. Elle reste vraiment capable de contrôler la configuration du vent, du temple, en accumulant l'énergie de la rivière, en fonction de la quantité qu'elle a accumulée, elle risque de mettre une bénéfice. Je peux comprendre quoi.
C'est de la merde. C'est quoi ça? Ok, let's go. Incroyable. Ah, faut que j'étrisse tous les cristaux là? Juste pour faire ça? Ah putain de merde. Faut récupérer un tout petit bout à chaque fois. Faut que j'étais allé là-dedans, non? C'est ce que t'es en train de me dire? Trop bien, ça me fait chier. Putain, moi qui voulais. Au fur et à mesure qu'il y a eu ce pied, t'as un avantage, j'ai oublié qu'il faut faire récupérer son. Allez. Oui. Ouais, non, l'autre merde. Voilà, qu'elle se dit rien alors qu'il vient de buter le bug là, c'est une dinguerie. Ah. Un nouveau bâton. Oh, le bâton de Saint-Saint. Oh putain. Ça c'est plus parfait. Ok, c'est pas ça. Ouf, elle a pas analysé. Ça. Ouah. Oh, j'ai détruit le petit bâtard.
Ça va se récupérer automatiquement. C'est un régal. Ouais, ça c'est à peu près. Voilà. J'ai trouvé l'autre endroit du coup. D'énergie les grenouilles, hein. Ça a pas beaucoup d'énergie les grenouilles. Ça peut même pas pris les deux là. J'aurais pas assez. Ah si. Oh. Incroyable. J'ai pas fait les autres hein, mais bien bien.
te reposer un peu. Je suis d'accord. Faut pas t'épuiser parce qu'on serait perdu sans toi. Alors, juste un petit peu. C'est ouvert. Qu'est-ce qui se passe encore ? On va se foutre d'un fou, hein. Ça va. On est plus coincé. C'est déjà ça. Ils font chier avec leur truc à la con, hein. Un peu sur les ça va mais on se casse. Ah, je peux pas échapper là. Sécuriser cet endroit. Ok, vérifier que ça tient. Non, il va tomber s'il te plaît, tombe encore. Ouf, et hop, ça dégage. Ça. De la planète. Ouah, le flot de souffle qu'il a.
ton coup dans la recharge. Tout dans la recharge. Bâtard. Non, il est disparu aussi. Il a bien disparu ce bâtard. Quelle bande de bâtards. Va y avoir. On pourrait utiliser ça. Ouais, comment on fait? C'est peut-être une sorte d'interrupteur. Voyons ça. C'est sûr. C'est ce gros balourd qui va le briser pour nous. Oh non, je pensais que c'était bon. Vision collective. Tiens-toi! J'en veux encore! Voilà!
J'aime bien. Putain, fais gaffe. Bon, c'est bon. Allez, y'a le titan assis là. Allez hop, on va combattre les petits gamins de Tataras. Bah ça je pense qu'on arrête après peut-être. Ça dépend le temps que ça met, pas après. Thank you.
encore martyriser Rude, je le sens. Wesh. Yeah. Non, pas lui. Il était en choc! Ah, fils de pute, trop de dinguerie. Rien de se passer. Allez, s'il te plaît. Rude, t'en dis quoi? Maintenant, ça rigole plus. Mais t'as mon grenade, bâtard. Ça y est.
t'es mort. Hein. Faut que tu le saches, hein. Crève. Let's go. Explique moi. Ces petits bâtards. Vous êtes là. On se retrouve. Contente de vous revoir. Ouais. Bah, on en a bien bavé de notre côté. Qu'est-ce qui se passe encore? Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça deux fois. Bon, allez, on y va. T'es sûr? On peut le faire une fois, quoi. Cherchons les autres. Je m'inquiète un peu. Avant. Allez, reviens, putain, bâtard. Non, dis-moi pas que ça a bugué. Ah, il est revenu. Bah, c'est bon. Il est revenu avec le peu de vie qui lui restait. J'ai mis l'extra avant, on va faire un méga vent comme ça, on est sûr qu'il meurt. En 19, bam. 1999. D'être un boss juste derrière. J'aimerais bien que ce soit un boss juste derrière. C'est si simple. C'est si simple de faire un truc où tu pouvais juste arriver là et pouf. Mais non.
faire ce truc de con, hein. Tout le monde s'en bat les couilles. Qui trouve ça amusant de faire ça? Absolument personne. Tiens, même là, j'aurais pas assez, hein. Et avec leur coup de con. Mais oui, mais va te faire foutre. Putain. Ça suffit pas, hein. Bon cul, hein, si ça suffit pas. Ça va pas suffire. J'en peux pas. C'est bon. Il y a pas assez, je pète un pot. Voilà, putain, t'as l'air. Tout est long pour rien, frère. Ça me vénère. Genre là, ils ont pas les couilles. Genre vraiment, j'ai pas les couilles. Sûrement que je prenne leur énergie de con. Là. Ça devrait se faire tout seul, ça. Vraiment, c'est ma take. Ça devrait se faire tout seul.
partir. Dégage. Bon, ça va être un peu long, je crois. Juste finir le truc. Ça fait pas tout d'un coup à chaque fois là. On chie ces trucs de merde là. Que je m'en bats les couilles de faire ça, frère. Tu t'es écrit, mais putain. Les longs pour rien quoi, ça me pète les couilles. Ah, va te faire foutre, c'est bon. J'espère que j'en aurai assez, sinon je pète les plombs. C'est l'autre, hein. C'est l'autre.
donc. Hop là, ça dégage. Bon, ça devrait être bon là, non? Voilà. Maintenant, on y retourne et on réessaye. On peut aller là-haut. On sera sûr de rien. Voilà. Regardez. Cloud. Cloud, c'est ça. T'inquiète pas, on trouvera un chemin. Allez, en avant. Hop. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, je vais sûrement reprendre plus tard. Mais on va faire une petite pause, Et voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. À la prochaine. Ciao.